Zombie apocalypse. Bonjour à tous les gamers. On se retrouve sur Gesto Gaming pour la suite de Until Dawn. Donc nous sommes rendus à troisième épisode. Donc on est parti. Comment allez-vous? Moi je vais bien. Ça va, tranquille. Nous avons à peine effleuré la surface la dernière fois. Donc maintenant, essayons d'approfondir les choses. Aujourd'hui, nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Prenez ce livre et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. L'image qui m'effraie le plus? Les femmes m'inquiètent, les hommes m'inquiètent. Pouf. Bah, sachant que je suis une femme, je vais pas mettre les femmes, je vais mettre les hommes, hein. Logique. Je me trouve confronté à un dilemme parce que c'est mes deux plus grandes peurs. Bon, je vais mettre celle-là. J'ai le vertige, j'ai peur de me noyer. Vertige, non. Non, ça je l'ai pas. Je vais mettre ça par déduction. Mais c'est pas vraiment vrai, quoi. Bah c'est pareil, c'est ni l'un ni l'autre, forcément. Je vais mettre les rats parce que porteur de maladie. J'ai peur des couteaux, des pistolets. Je préfère la mauvaise, je préfère l'arme blanche, je pense. Je vais mettre les pistolets. Des cafards ou des rats? Ah bah les cafards. C'est quand même bien plus dégueulasse, franchement. J'ai peur des épouvantails ou des clowns. Épouvantails. C'est vraiment, ouais, déduction, quoi. C'est quoi? Le sang me dégoûte, j'ai peur des coups. Franchement, si ça, c'est que du sang, y a pas que du sang là-dedans, hein. Franchement, mais le sang me dégoûte pas, donc. Oh, je vous ai fait peur, mille excuses. Vous vous en sortez bien. Détendez-vous. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Mmh. Des cafards ou des araignées? J'aime vraiment pas les araignées. C'est vraiment pas non, c'est vraiment pas les trucs. Des aiguilles ou des corbeaux? Je vais mettre les aiguilles. Des zombies ou des épouvantails. J'aime pas les zombies. J'en ai pas peur, mais j'aime pas ça. J'aime pas les jeux de zombies, tout ça, c'est pas un truc. Des aiguilles, toujours. Laura, je kiffe ça, non? Des aiguilles, toujours. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Les araignées, les zombies, les aiguilles. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Ah. Je regrette, la session touche à sa fin, mais je vous promets que nous en reparlerons bientôt.
Vous avez pas l'impression que c'est légèrement... Oh, ça va. Elle le mérite. Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? C'était juste une blague, Anna ! Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Mais je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. J'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Boum ! L'effet papillon. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Ah ouais ? Ouais, ça me fait ça aussi. Josh, Fradana est bête. Il réfléchit, affectueux et compliqué. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici ? Je commence à plus capter. Si t'as 1 million en trop, donne-le-moi et puis je m'en occupe. Puisque t'en parles... Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Hey, salut ! Comment ça s'est passé ? Un porteur aurait été le bienvenu, mais bon... On va tout avoir. Ouais, ça a été. Mais c'est un peu étrange quand même. Ça fait bizarre d'être de retour ici. Yo, est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ? Ouais, mec. Matt et Emily, tu vas bien. Matt et Emily sont ensemble maintenant ? Ouais, on dirait. Et Mike, il en pense quoi ? Je crois que Mike a déjà la tête ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Merde, saleté de truc. C'est gelé ? Oui. Il y a peut-être d'autres entrées. Il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir, d'une façon ou d'une autre. Attends une seconde, tu veux dire entrée par effraction ? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non ? Ouais, tant que je te dénonce pas. Allez, je te suis l'artiste. Ok. Salut H. Salut Chris. C'est bon d'être de retour. On va être confiant. Alors, comment tu vas ? Bien, mais j'ai un peu froid. Je crois que je me blottirais bien devant la cheminée. Ouais, ça pourrait être pas mal. Bon, du coup, on va essayer de trouver... Si moi je pars par là et toi tu pars par l'autre côté, ça va te poser un petit problème. Ashley était carrément canon aujourd'hui. Hein. C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas ? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois. Carrément, arrête ça, mec. Vas-y, si tu veux. Carrément. Alors, quand est-ce que tu vas la mettre dans ton lit ? Comme si c'était possible. Arrête de dire ça, mec. Elle passe presque tout son temps avec toi en ce moment. Mais tu sais, on est que des amis. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques. Toi et Ashley, enfin seuls. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. J'en sais rien. Je sais pas. Mais comment tu peux ne pas savoir ? Mais si ça devenait bizarre, qu'elle ne voulait plus être mon amie si je tentais quelque chose. Tu m'as pas écouté ou quoi ? Il faut te bouger, mec, sois un homme. Sois un homme. Alors, comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents, vieux ? Et qui a dit que j'avais un plan ? Ouais, j'en avais l'impression.
Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars, sinon t'as quatre jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas le mieux si tu veux coucher. Toucher. Personne n'aime les petits plus gelés. Sympa. Eh ben dis donc, on a affaire à un intello. Bien joué. Ils vont se démerder comment là, exactement? Ils vont démonter carrément la tête? Oh, je vais bien. J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi, en sport? Tu sais où il faut grimper à la corde. Oh. J'ai fait ça, moi? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Hé, hey Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein? Ouais. Et c'est quoi? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas. Comment un déodorant pourrait aider? C'est un vaporisateur. Ah, ouais, j'ai compris. Un lance-flamme. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais, ce qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir? Non, mais j'y vais. Et bon courage, bon vieux. Ai-je le choix? C'est un peu ça la question qu'on va se poser en fait. Ai-je le choix? Totem de perte. C'est quoi du totem de perte? La perte potentielle d'un ami. Est-ce que j'ai déjà... D'accord. Donc on va perdre un ami. Pas cool ça. Je vois un petit peu ce qu'il y a, on sait qu'il faut aller dans la salle de bain. Je fais le tour quand même. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Je vous laisse lire, je vais pas tout vous lire. Bon, apparemment, on n'a rien d'autre de cette manière. Regardez le tableau. Hein? Cool. Portrait de famille. C'était quoi ce truc? Les portes, elles se ferment toutes seules? Bizarre. Alors là, on a la porte, du coup. Il manque le déo. Oh, salut, Chris. Très marrant. Et comment tu m'as reconnu? Est-ce que tu devais pas essayer d'ouvrir la serrure?
J'y vais. Je cherche le déo. Qui est dans la salle de bain. On peut allumer un peu les lumières. Hein. C'est bien. C'est quand même mieux. Hein. À l'étage. Je sais pas qui est putain salle de bain. Elle est où? Ah, peut-être par là, non? Ouais. Non. Si oui, non. Eh, hey, voilà la fameuse vidéo. Oh merde, c'est quoi ce bordel? Oh. Ah, parfait. On est en train de geler sur place. Merci, je serai là chaque semaine. Merde, ce truc m'a fait flipper. C'était quoi? Est-ce que ça va? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé? T'inquiète pas, petit. Un de ces jours, tu seras grand. Home sweet home. Je n'aurais pas vraiment dit ça, comme ça. Oh la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se les gèle un peu ici. Bon, bah je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police? Ça a été calme ici, dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête? Salut! Salut! Hey. Yo, mec. Ouais, vas-y, fais comme chez toi, mon pote. D'accord. Oh putain, c'est trop dégueu. Attends, est-ce que t'essaies d'avaler sa langue là? Non, sérieux, elle en fait pas un tout petit peu trop? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr, t'étais trop occupée à faire ta connasse. Tu vois, on dirait que tu es aigrie de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau? Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. Détends-toi, Emily, où c'est? Bah, c'est. Ouais. Va défendre ta copine. Allez. Tu la fermes, Matt. Ça va, t'en mêle pas, bouffon. Eh, fais gaffe. Oh, t'es la seule à pouvoir le faire taire? Alors, comme ça, personne ne peut jouer avec tes jouets? Putain, mais quelle salope! Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galéreras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner? Oh, shit. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassis avec ses fesses. Mais t'es sérieuse? T'appelles ça une insulte? Cette garce prend du crack ou quoi? Calme le jeu, encore une fois. Émilie, arrête. Ça dépasse les bornes. Vous n'avez aucune raison de vous battre. Bah oui, M. Dis-nous, pourquoi tu veux te battre pour ton ex-copain, hein? Arrêtez!
C'est pas pour ça qu'on est venu ici. Ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si on n'arrive pas à s'entendre 10 minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non? Mike, pourquoi est-ce que tu irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais, d'accord. Tu veux y aller? Tant qu'elle, elle n'y est pas. Ça, c'est au bout du chemin. Content que ce soit fini. Ouais. Alors, Josh, tu nous l'allumes, ce feu? Il est où, mon sac? Hein? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odéo. Matt, tu m'écoutes? Mais si, tu t'en souviens pas? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos et où tu t'es cogné contre l'étagère quand tu mattais la fille au comptoir. Eh ben, elle me posait des questions sur ma veste en cuir. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste? Matt, je veux mon sac. Oh merde, peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac? Alors? Non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du téléphone. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera? Ouais, beaucoup même. Ok. Ok, allons-y. Ok, je vais prendre un bain. Ok. Il commence à la détention. Exilé. Sexilé. Ça me va. Et il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour. Le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. Oh, j'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Hé, hey, les stars du porno. Vous allez avoir besoin de ça? Star du porno? Je paierai cher pour voir ça. Charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord, c'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok. Tu veux l'inviter avec nous? Vraiment? Quoi? Non! Je comprends mieux le chapitre jalousie, hein. Donc du coup, le générateur, je crois qu'il est, hein, sage. Joli cœur. Une photo? D'accord, pourquoi pas. Ok. T'as une gueule de con, hein. Oh, wow. C'est parfait. On est le couple le plus mignon. Tu devrais faire mannequin. Garde cet appareil à proximité et je te laisserai peut-être commencer mon portfolio. Au gîte. Compris. Oh, il fait trop froid ici. Au moins maintenant, je peux t'aider pour ça. Et comment tu vas régler ça? J'ai quelques idées en tête. Je trouve que le générateur il allumé. Je vais essayer de retourner là-bas et essayer d'allumer. Eh ben, on peut pas dire que l'amour règne en maître par ici. Je vais essayer d'allumer le machin, quoi.
Si on nous en a parlé, c'est qu'il doit l'avoir. Excuse-moi, je rentre. J'en ai marre de toi. C'est fini entre nous. Ralbal. Attends, pour pas dire que je veux grand-chose. Il n'y a rien allumé par là en fait. Enfin bref, c'est pas grave. On verra ça le prochain coup. Et moi en attendant, je vous dis à bientôt les gamers. En espérant que la suite de Huntingdon vous intéresse. Et puis ben voilà, on se retrouve très prochainement pour la suite. Allez, bonne journée à tous.